La Fondation Cœur d'Afrique qui offrir ce magnifique don que vous voyez là pour nos athlètes para qui n'arrivent pas, qui n'ont pas vraiment de,
matériel approprié pour, par exemple, contribuer à l'évolution, au développement du sport camerounais, souvent en compétition internationale. Je pense que ce matériel qu'on va donner, qui est un matériel international, va les permettre, pourquoi ne pas un jour se qualifier pour aller aux Jeux Olympiques. Alors, je pense que nous voulons tout simplement leur dire merci et de continuer de penser à tous ces jeunes Camerounais qui ont besoin de ce genre d'instruments pour améliorer leurs talents dans le basketball. Aux équipes de basketball sur fauteuil roulant, personnes handicapées, il s'agit là d'une initiative qui est louable pour réduire les problèmes de matériel que rencontrent ces sportifs. Parce que vous savez que les personnes handicapées sont les sportifs comme tous les autres. Il faut donc les encourager, faire la promotion du sport des personnes handicapées qui peut permettre au Cameroun d'engranger des médailles sur le plan international, au même titre que les autres sports. Comme dit le président de la République, il n'y a pas de sport mineur, sport majeur ou de sport réservé. Alors le ministère des Affaires sociales, en partenariat avec le ministère des Sports et des initiatives privées comme celle de la Fondation Cœur d'Afrique, apportent donc leur contribution pour que le sport des personnes handicapées connaisse aussi le même envol que les autres. Parce que le sport joue un rôle important dans la réadaptation des personnes handicapées. Et comme on le dit si bien, il faut un corps, un esprit sain dans un corps sain. Alors le sport des personnes handicapées permet aux personnes handicapées d'éviter les maladies, de se réadapter, de se développer, et aussi avec les belles initiatives, les valeurs du sport telles que l'esprit d'endurance, l'esprit de fair play, l'esprit de solidarité, d'estime de soi. Les personnes handicapées, le sport leur permet également de s'insérer facilement dans la société au même titre que les autres. Donc le sport joue un rôle catalyseur. Il faut donc cesser, donc enlever l'esprit ou bien la mentalité qui réside souvent dans les individus pour considérer les personnes handicapées comme des personnes inaptes. Nul n'est inapte. Il y a toujours des activités physiques adaptées à leurs conditions. Donc il faudrait que les initiatives comme ci se développent pour construire des espaces, prévoir des espaces pour mener des activités sportives et surtout leur apporter un appui en termes de matériel sportif, équipement sportif pour leur permettre effectivement de se développer au même titre que les autres disciplines sportives. Je dis grandement merci et exhorte à l'ensemble de la Fondation Roger Milla de par Cœur d'Afrique et Connectica d'œuvrer davantage, que leurs œuvres ne demeurent pas vaines, puisque nous en avons encore humblement besoin. Je vous en remercie.
peut tromper longtemps le pied, mais pas tout le temps.